Dans notre société, chacun peut avoir des préjugés. Nous jouons tous des rôles, mais nous ne devons pas avoir peur de dire « je suis différent ». Ceux qui sont attachés au terroir et ceux que l'on imagine passer du temps devant leur miroir, ceux qui prennent soin de leur corps et ceux dont le corps peut faire souffrir, ceux qui aiment la vitesse, parfois au péril de leur vie, et ceux qui passent leur temps à secourir les autres, ceux qui sont indécis pour leur avenir et ceux qui peuvent se montrer parfois exigeants envers la génération à venir, ceux qui ont une certaine notoriété et à qui on peut faire plus facilement confiance, et ceux dans le quartier que l'on préfère éviter. Naturellement, nous avons le réflexe de catégoriser ce qui nous entoure. Vivre ensemble et s'ouvrir aux autres, là est notre rôle de citoyen. Les lignes que nous avons tracées sont faites pour être dépassées, dans le but de montrer que tout est possible. Bonjour, aujourd'hui je vais vous poser des questions assez vastes et parfois personnelles. Lorsque vous vous sentirez concerné, il vous suffira de sortir de vos cases et de vous placer derrière cette ligne. Restez le plus naturel possible. Et soudain, il y a nous. À toutes les personnes qui se sentent fières de ce qu'ils sont. Tous ceux qui ont déjà sauvé des vies, que ce soit humaines ou animales. Nous qui croyons en quelque chose après la mort. Nous qui avons déjà fantasmé sur un collègue ou une amie. Nous qui avons fait l'amour la semaine dernière, nous qui avons pleuré de joie ou de tristesse, nous qui avons déjà combattu la maladie dans notre entourage, nous, les fêtards, nous qui avons peur du regard des autres, nous, les phobiques, nous qui avons déjà eu des fins de mois difficiles, nous qui avons donné à un SDF, nous qui se sentons en insécurité dans la rue. Nous qui avons eu un accident de la route. Nous les mariés, les séparés. Nous qui nous sentons seuls. Nous qui avons déjà été attirés par une personne du même sexe. Nous qui chantons sous la douche. Nous qui avons peur pour l'avenir. Et nous qui rêvons d'une société plus solidaire et réunie. Nos différences ne doivent pas devenir un frein. Comme nous, ouvrez vos cases, faites tomber vos préjugés et devenons tous acteurs pour une société plus unie et respectueuse des différences.